triangle renversé. Chaque fois que tu verras ce triangle, sache que il y a un message codé derrière. Tout logo dans une église, vous voyez le triangle, le pasteur appartient à la loge. Ne loko bazo sidika, bazo luka ka batwa sina ba kayango. C'est la franc-maçonnerie de la Rose-Croix. C'est une branche qui est sortie de la Rose-Croix. Mais t'es surtout dévoilé. Malinga la beauté. Qu'est-ce que exposer à la lumière de la journée les secrets de la franc-maçonnerie? Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, tu es un homme mort. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Le boucle d'oreille à droite symbolise le pédérasme. Mais pour les mâles dominants. Mais les gens veulent dire que non, il n'y a rien dans la Bible qui condamne de manière directe l'homosexualité. Mais on doit vous parler comment? Frère, si tu me suis, tu es homosexuel, laisse. Il faut tenir ces gens. Il y a un pasteur ici à Limété. La fellation, c'est normal. Il est au niveau de deuxième ou de troisième mairie. J'ai suivi, moi, on ne m'a pas dit. Il dit que la fellation, ce n'est pas un problème lorsque l'un de conjoints ne sent pas la douleur. En bon, le péché commence à dépendre maintenant de la gravité des douleurs. Voilà que je vous avais dit, ces gens-là sont des francs-maçons, vous ne m'avez pas cru. Ils défendent toujours les mêmes choses. C'est la question. C'était, il fait quoi là? Là-bas. Deux. La pyramide égyptienne. Derrière les billets de dollars, il y a un œil à l'intérieur. Cet œil-là représente quoi? Et cet œil, il a fait quoi là? Là-bas. Refusez tout polo, tout vêtement, toute chemise, toute représentation qui porterait une telle signification. Vous êtes en train de marcher dans la visibilité du travail du monde des ténèbres tout en étant chrétien. Au journal, je suis là comme moi et ça va ça. Pyramide, là, c'est mon analyse. Après avoir respecté ma principauté, bon panzana. Bamateka, Napoto. Basi à Batumi, il va faire ça pour finir dans la France. Je connais les deux trois pasteurs qui font ces histoires-là. Vous allez remarquer, tous ces gens qui partent à l'extérieur quand ils reviennent, soit ils reviennent avec beaucoup de cheveux dans la tête. C'est le symbole d'une personne qui vient de monter, monter de niveau. Il doit garder ses cheveux-là jusqu'à ce qu'il va changer de nouveau après Akatisou. C'est bête des champs. Regardez nos méchants. Les animaux bêtes des champs. Ils se sont infiltrés parmi nous, mais ils n'étaient pas de notre. On commence à les découvrir par leurs enseignements. Qu'est-ce que Baka a fait de mauvais? Pour avoir ouvert les yeux des gens, je suis devenu votre ennemi. Pour financer toutes les émissions sur YouTube, va finir à Gabac. Poser les fondements. Des gens qui ont dit effectivement. Je t'ai dit que c'est faux, le pasteur a tort. Si les gens n'ont pas des références bibliques, moi j'aime bien poser les fondements. Il ne peut pas émettre un point de vue. Il n'a pas de point de vue à émettre là-dessus. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, 8 au verset 10. Mwana mama, kobuka na te yokali solo Mama Justovitz, yende coach lo posu ya nzoto na bino. Ayena bakisi, ozo traite ba tempo, banduta. Bobo kona nenge na nenge o pesa ka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino Loko la poche des yeux, ridna elongi. Vieissima, o profite na cash ne okoma kobo melongi. Okoma koke la nzoto na osoni. Kobuka na te, luka kaka mama Justovitz, okozonga leke leke. Mouete mouete. Kou, maman n'a gagné. Babi, maman Jisnovit, azo soigné, n'y a pas de l'opposé, n'y a pas de bino. Yo, moutobete la batampo. Et ça, la kéza m'vete si la kate. Et le nyen zuluka. Et comment le combat tout mène à dépôt makala. Yaka, pote bi docteur Zaka Kamoko. Coach Zaka Kamoko. Kozoé et Zana mou facile. Azapé na Facebook. WhatsApp, basit, n'y a pas de internet. Ceux qui ont une rose va produire,
livraison dans les partout dans le monde. Tobeta www.disnovit.com. Azoce la paix intuitive. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwane lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Vérité et réalité, votre magazine, vous qui nous suivez respectivement sur Nouvelle Tendance Télévision, également sur Évangéliste Roger Baka TV. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci également à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons à la prise de vue, nous avons Gédéon et Yoshi. Donc la réalisation est assurée par Jordan Panzou. C'est avec cette équipe que nous allons travailler. Encore une fois de plus, merci beaucoup à vous qui êtes déjà abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement, et cela s'est fait gratuitement d'ailleurs pour vous permettre d'avoir tout ce que nous aurons posté comme vidéo, bien sûr. Et aussi, si vous avez aimé cette émission ou si cette émission également est à votre disposition, manifestez-vous à travers des commentaires, des likes et faites plus de partages pour atteindre un bon nombre, bien sûr, des gens. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous allons recevoir un serviteur de Dieu, un habitué de ce plateau, un invité qui vous connaissez tant et quelqu'un qui parle bien, surtout sa façon de communiquer qui est assez particulière. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons toucher plusieurs points comme d'habitude. Il s'agit de l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, c'est comme ça qu'on l'appelle. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup à Alain Guélé. Que le Tout-Puissant de Jacob te bénisse. Amen. Et que cette bénédiction soit le partage de tous ceux qui vont nous suivre sur Nouvelle Tendance et sur Évangéliste Roger Baka Télévision. Que la grâce revienne au Très-Haut. Merci beaucoup de nous visiter encore aujourd'hui dans le cadre spécifiquement et spécialement de décoder le signe franc-maçonnique au milieu des églises de réveil. En accord avec Ephésiens chapitre 5, le verset 11, dans la version Semer, Bible d'études. La Bible dit, je paraphrase, « Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les, car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. » Donc nous avons déjà la pierre de touche qui nous permet de jeter les jalons. Nous remercions tous ceux qui nous aiment et qui nous appellent pour nous remercier pour le grand travail d'après eux que nous sommes en train d'exécuter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous ceux qui ne nous aiment pas, mais qui nous suivent quand même. Cela démontre à suffisance qu'ils aiment ce que nous faisons, mais pour des raisons X ou Y, ils sont incapables de nous encourager. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à toi, encore une fois à ton équipe. Les gens ont remercié le Seigneur par rapport à l'émission que nous venons de faire dernièrement, ou avant-dernièrement sur Joe Biden. Avec les conflits très très spirituels avec Donald Trump. Et aussi, ils ont aimé la révélation sur la veine qui était sur l'auriculaire, qui amenait le sang jusqu'au cœur. Ça a beaucoup intéressé les gens. Nous sommes très très contents. Voici que nous vous demandons à tout moment que tu suis l'évangéliste. Je répète, le moindre de tous. Je dirais même plus, le galérien sauvé par la grâce. Aie toujours ta Bible. Tu vois, on est là. Les deux Bibles, là, je l'ai placé là-bas. Donc, Alain Dele va devoir attendre un peu parce que j'ai des choses à lire. Alain, je t'ai passé effectivement. Merci beaucoup, évangéliste, mesdames et messieurs. Je crois que c'est comme ça que nous allons évoluer. Alors, restez branchés. Vous qui aimez cette émission, s'il vous plaît, faites le maximum de partage. Continuez toujours à faire des commentaires, des likes. Et cela nous fera énormément plaisir. Je crois, je vais ouvrir une brèche et je vais rapidement aussi la fermer pour ne pas traîner quand même, ne pas gaspiller les temps. Homme de Dieu, évangéliste, depuis un certain moment, je crois quand même, vous êtes à la une sur Internet, tout le monde parle de vous, il y a plusieurs titres, évangéliste Roger Baka, Abomimoto, Akangisimoto, Asaliboy. Alors, c'est votre nom qui est cité dans toutes ces choses. Bizarrement, j'arrive, je vous trouve calmement, sans inquiétude, vous ne dites rien. Alors, pourquoi restez-vous calme? Ou pourquoi avez-vous cette attitude? Je te bénis parce que Dieu m'a fait cette grâce et que l'Éternel te bénisse encore pour cette question. Nous nous disons dans notre université de la foi chrétienne, là où nous posons les fondements en accord avec
Parce que nous, c'est toujours en accord. Mmh. En accord avec Psaume chapitre 11, le verset 3. Mmh. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Une question pertinente. Je crois que si tu regardes le livre de Jacques, un des piliers du christianisme, il écrit dans Jacques chapitre 1, le verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et Dieu ne tente lui-même personne. Voilà cette référence te conduit dans le livre de Jacques. Posons les fondements, avalons les roues. Les rouleaux. Ok. Cela nous conduit dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 20 à 21. Face à tout ce que les gens racontent, il faut savoir une chose, que la colère de l'homme ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Ça dit, bafingayo sataniste, bafingondoki, que des jeunes gens en manque de production avec contenu préfèrent utiliser ton nom pour gagner un peu de l'argent. Toi, tu dois savoir que lorsque tu te donnes de la taille spirituelle, tu vas prendre de l'élan, tu vas commencer à monter. La science nous enseigne que plus on monte, plus l'arbre attrape le vent. Maintenant, quand il y a le vent, il y a deux types d'hommes. Les gens qui ont la grandeur d'âme et ceux qui n'ont pas de grandeur d'âme. En quoi consiste cette différence? Parce que tu m'as trouvé en train de dormir, mon frère. Je t'attendais. J'ai beaucoup lu. Tu vois, il y a beaucoup de livres. Il fallait concentrer la matière scientifique pour les lier à la parole de l'Éternel. Jacques 1, 20 à 21. Je paraphrase. Regarde, vers 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. J'insiste là. Ce sont des histoires, ce sont des... Comment on appelle en français, on dit, ce sont des pièges. On te lance des pièges. Si tu suis, il y aura quatrième épisode. Si tu réponds, il y aura cinquième épisode. Si tu oses te justifier, il y aura sixième épisode. Je suis déjà tombé dans un piège comme ça. C'était avec l'affaire de Tiffany dans sa chaîne Nazirea. Quand je suis allé voir Alvin, il m'a reçu, on a parlé calmement, il a semblé comprendre. Mais quand je suis allé chez l'autre, tellement je parlais, ils m'ont filmé et c'était publié. Et je suis tombé dans ce piège-là. Et je dis, c'est fini, je ne tomberai plus dans ce piège-là. Je ne m'énerve pas parce qu'on ne peut pas attaquer Dieu, mais on attaquera l'homme qui apporte le message de Dieu. Nous avons deux industries qui travaillent à la fin du monde. L'industrie du mal qui recrute ses journalistes et ses pasteurs, et l'industrie de la bonne sémence qui recrute aussi ces journalistes qui se disent « Je ne m'aurai pas faire le journalisme des polémiques. Je ne ferai pas les YouTube des polémiques. » C'est ça. C'est comme ça qu'on se retrouve avec vous, on est là. Alors maintenant, quant à la question « Pourquoi je ne fâche pas ?» « Pourquoi je ne suis pas attristé ?» 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24 dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps, et que tout votre être soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Posons le fondement. L'esprit a trois facultés. La première, c'est la communion, la capacité d'entretenir la prière avec l'Éternel. Tel qu'écrit dans le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 2 à 3. Deuxième faculté de l'esprit, c'est l'intuition. C'est la capacité d'écouter Dieu quand il parle. Tel que stipulé dans le livre de Job, chapitre 33, les versets 10 à 14. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point, hein? Garde. Parce qu'on est très concentré au bruit extérieur. Balobi, ils ont fait ceci. Tant que tu prêtes tes oreilles aux distractions qui est l'arme efficace du monde des ténèbres pour quelqu'un qui a compris sa raison d'être, hein, tu n'entendras plus Dieu. Et troisièmement, c'est la conscience. La conscience, c'est la voix de notre esprit. C'est une voix intérieure qui te dit cet acte est bon ou mauvais. Même quand les gens te poussent à parler, ils te disent ne fais rien, reste silencieux. Voici les trois facultés de l'esprit. C'est ce qui nous met en contact avec Dieu. Mais maintenant, ce que tu poses comme question, tu le renvoies à la notion des émotions, des sentiments, de la volonté. Ça, c'est l'âme. L'âme a quatre facultés. Il a la faculté, c'est ce qu'on appelle l'intellect. Il a la deuxième faculté, c'est les pensées.
la volonté et les sentiments. C'est-à-dire que les émotions viennent au niveau de l'âme. Or, quand quelqu'un a un esprit qui communique régulièrement avec Dieu, l'esprit commence à contrôler l'âme. L'âme devient un agent qui est au service de l'esprit. C'est ainsi que l'expression que je dis souvent, un être humain qui abonde la présence de Dieu en lui, devient insensible au bruit extérieur. Car celui qui est élevé en dignité devient le leader. C'est quand il parle que les autres trouvent la matière. C'est quand il fait une émission que les autres trouvent ce quoi dire. Les autres n'ont rien à dire tant que tu n'as rien dit. C'est comme ça que tu verras sur Internet, tant que Roger Baka n'a pas produit une émission, il n'y a rien à dire. Il faut attendre qu'il parle, nous allons prendre ce qu'il dira, nous dirons. Donc, tu es devenu un leader. Or, puisqu'ils courent derrière toi, si tu prêtes attention à eux, tu te mets à les répondre, toi maintenant tu es en train de te rabaisser alors qu'elles sont en train de te faire monter par la promotion négative. Ça, c'est la deuxième réponse. Maintenant, il y a aussi des gens qui m'appellent aussi, si ce n'est pas moi qui est attristé. Ils m'appellent, ils me disent, mes frères Roger... Ils sont touchés par... Ils sont touchés, il faut que j'agisse, il faut que je réponde. À ça, je vous donne des références bibliques. Ça veut dire quoi? Je suis en train de vous nettoyer le visage et vous présenter face au miroir de la parole. Mais si tu regardes cette parole et tu l'écoutes, tu auras des émotions qui seront tranquilles. Maintenant, en quoi consiste cette pratique, cette industrie? Je voudrais te montrer un fait. C'est quand même très important. Peut-être toi, tu vas le voir. Tout au long de cette année. Hein, Alain, tu vas leur mettre seulement le titre. Hein? Mettez seulement la vidéo et le titre. Premier point. Qu'est-ce qui est écrit? Ah. Léo Roger Baka Koufi, sa famille. Ah, donc, quelqu'un se lève le matin. Roger Baka Koufi. Je salue mon frère, le colonel Kumwimba, Jacques. C'est le premier qui m'appelle. Il dit, mais, mon frère, c'est toi? Moi, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais réponds-moi comme tu as d'habitude. J'ai dit, oui, de la chevelure de la tête jusqu'à la place. Ah bien, wanezayo. Mais, balobi au koufi. Ah bien, non. Mais dis, mon frère, il faut pas kanga batoyo. Parce que pensez bien sur ma kila, là, ici, bon, non. Père, t'aider, dit temps. Ça, c'est la chaîne, je ne sais pas si c'est quelle chaîne, bon, ils ont la chaîne à YouTube. Le deuxième. Affaire Sœur Angèle, Vango et Roger Baka. Georges Nama, s'interpose, mais sans succès. Roger Asamboué. Là, c'est une sœur. Mais qu'est-ce qui se passe, Roger? Au Sali Batouni, vous ne savez pas qu'il y a des industries de livrer et du mal? Laissez-les leur faire leur travail, n'est-ce pas que livrer et la bonne semence doivent croître ensemble. Comme si c'était fini. À vous qui demandez à vous qui m'envoyez des vidéos et demandez que je réponde. Regardez, je vais passer tout mon temps à ne plus lire, à répondre à ces gens. Troisième. Caméra cachée. Bakangi Roger Bakandoki a invoqué en pleine émission. Misalama baby mina poisson. Ça c'est Tiffany. Dans Nazaréa, c'est Nazaréen. Maintenant, Tiffany Bakangi Roger Bakana caméra ka. C'est ma photo que j'ai publiée sur mon statut. Photo que j'ai pris où? Au parking de Memling. Mais parking à Memling est comme une loge. Donc, ce que l'on lui répondrait, c'est toi qui t'es réduit. Comment vous pouvez prendre des gens sérieux pour une seule personne? Je répondrai encore. Je répondrai sous bateau. Yo tanga ndeba finga kanga. Bakangi Roger Baka na hôtel. Les gens sont vite partis là-bas. Oh non, Bakangi Baka ndengenini, comment allez-vous? On va faire quoi? Ici, Bakanga na hôtel. Maintenant, on attend ni Info Lingala, ni JTC, ni Journal de Lingala, ni émission au Congo ici ne parle de ça. Ah, c'est ça qui n'a pas mentir. Non, il fallait que moi je réponde. Perdons pas le temps. On passe. Bishop Baraka Mugisho, à vous, j'ai été au même loge avec Roger Baka. C'est un sataniste. Néa Afrika Roger Pou. Église va me répondre. Église va me répondre. Roger Baka Pou. Vraiment, ça nous prend du temps d'ailleurs. On allaite. Maintenant, pourquoi j'aime. C'est là que les amis qui sont comme moi. Les gens qui sont là, ils disent non. C'est là que je pense à ça. Après, non, on a un cimetière, on a confié Roger Baka Mutabomi. En fait, pourquoi ils font tout ça? Voici la réponse. On ne peut pas attaquer la mission, mais on attaquera le missionnaire. Le missionnaire, ok.
car le missionnaire porte en lui la mission. Si le missionnaire cherche à vivre par une bonne réputation en se justifiant, il détruira la mission qui a besoin de ces problèmes-là pour impacter son nom. Okay. En bien ou en mal, il y a des événements positifs et des événements négatifs qui attirent l'attention des gens sur mon message. Après qu'ils aient découvert mon message, ils s'accrochent et ils disent « Ah, j'ai commencé à te suivre récemment. » En fait, c'est à cause de ce qu'on avait fait là que j'avais dit ah, « Mais quel est cet homme qu'on insulte comme ça ?» C'est quand j'ai regardé que j'ai commencé à te suivre. Mais c'est un avantage pour le royaume de Dieu. La Bible dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de moi. » C'est comme ça qu'ils ont traité les apôtres et les prophètes. Ça, c'est « Je comprends. » Maintenant, si tu vas dans Jean, regarde, Jean chapitre 9. Face au fait que Roger Baca commence à devenir une célébrité mondiale et internationale, le monde de ténèbres s'est dit, il faut essayer d'arrêter cette propagation. Mais Satan ne descendra pas sur la terre pour venir agir. Il aura des acolytes qui peuvent prétendre être des hommes de Dieu, qui peuvent prétendre être des journalistes. Mais si tu regardes bien ces journalistes-là, si tu regardes bien les entre guillemets pasteurs qui parlent, tu verras que les éléments qui devaient faire l'objet d'une émission selon les critères de sélection des éléments à traiter dans les journaux, à tiens, ôté. On a arrêté un pasteur ici avec un sextape. Il était en jugement. Ils n'ont pas vu ce mal-là. Le plus grand mal, c'est Roger Bach. Il y a eu un jugement ici avec le sœur Eliane. Et Katana Kakaboué. On n'a plus continué le jugement. On ne sait pas. La sœur est abandonnée dans son triste sort. Personne ne mène les enquêtes là-bas pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Même son avocat l'a abandonné. Personne. Le plus mauvais, c'est Baka qui n'est même pas encore parti en prison. Trois. On a publié des vidéos ici des gens. Ces gens-là qui cherchent le mal, ils ne voient pas ça. Tu sais pourquoi ils font tout ça? Regarde. On dit, dans le livre de Jean, chapitre 9, posons les fondements, rapidement pour ne pas perdre le temps. Sur quoi quelques-uns de pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Voici le problème qu'il y a maintenant dans le monde, Alain Délé. Merci pour la question. Certains disent, mais si Roger Baca n'est pas de Dieu, comment il prêche avec des arguments bibliques que vous, vous ne donnez pas? S'il n'est pas de Dieu, comment peut-il dire des prophéties? Ça s'exécute à la lettre telle qu'il avait dit. D'autres disent, non, il n'est pas de Dieu, c'est un sataniste. Face à tout cela, ils ont une mission. Que les enfants de Dieu ouvrent les yeux et les oreilles qu'ils écoutent. Il y avait quoi? Division. C'est ce qu'il cherche. Il faut diviser les gens qui le suivent. Que les gens commencent à dire non. Ah, même lui qui nous prêche la parole, c'est un aventurier. Quand quelqu'un n'a pas le discernement des esprits pour comprendre quelle est la motivation derrière une vidéo, il va tomber. Mais nous, on n'a pas le temps à perdre. Nous allons les récupérer en faisant une autre émission qui nous permet de montrer la pertinence de la connaissance que Jésus-Christ seul donne. C'est comme ça que certains qui ont emboîté les pas à ces distractions, en suivant cette émission, ils diront, ah, donc, ces gens cherchent à tout prix à créer des divisions parmi nous qui avons cru au message. Mais ce n'est pas de leur faute, il ne faut pas les condamner. Ni même le frère qui fait des émissions, ni même la sœur, moi encore le journaliste que vous suivez en France là-bas. C'est une industrie qui paye de l'argent. Demandez-leur, s'ils sont sincères, je te mandate. Va demander aux journalistes et te diront, on m'a appelé de l'Europe. On a dit qu'on va me soutenir. On va me donner de l'argent. On va m'acheter même une voiture. Il suffit seulement que je continue à parler mal de Roger Baca. Mais face à tout cela, nombre 11, 1, je conclue. Voilà ce que dit la parole de l'Éternel, posons les fonds, les fonds. Avalons les roues. Les rouleaux. C'est ça le problème. Mais il y a pas verset belé boyé. C'est le prototype des chrétiens de demain. Je ne suis qu'une maquette. Il y a encore 7000 que vous ne connaissez pas, qui seront beaucoup plus ouverts que moi, plus intelligents que moi, Bazoya. Mon cher, regarde. Le peuple murmura. Et cela, depuis à l'Éternel.
Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alima parmi eux et dévora l'extrémité du champ. Mmh. En fait, le diable sait que s'il fait murmurer le peuple pour parler mal contre celui qui porte l'étendard du message de la restauration, Dieu va se fâcher. Mmh. Quand Dieu va se fâcher, Dieu va frapper. Maintenant, regarde ce qui s'est passé il y a de cela plus de 10 ans ou 15 ans, j'ai oublié. Un jour, je suis à la maison, témoignage, hein, voilà ce qui me fait la force de ne plus me fâcher. Mmh. Parce que ma colère n'accomplira pas la volonté de Dieu. Mmh. Jacques 1, 20. Je suis à la télévision, une chaîne de la place nommée Mirador. Vous devez avoir entendu parler d'une chose pareille. Ouais, avec leur patron, l'Adilouya. Voilà. Il y avait une sœur là-bas qui faisait l'émission de cuisine avec un frère un peu gros là. Ces frères-là sont passés de 9h à 12h en direct en train de m'insulter. À cause du message que je prêchais. La restauration des valeurs spirituelles dans le film nigérien. J'ai dénoncé le mal. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas citer le nom de quelqu'un dans l'œuvre que nous avons créée. Élevez le nom de Jésus-Christ. Mon frère, de 9h à 11h, Baka, Solo, Moutou et Tengama. Maintenant, le lendemain, les gens attendaient que je réponde. J'ai consulté l'Éternel. Je lui ai dit, tu me dois un jugement. Tu m'as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et moi, je l'ai rappelé. C'est toi, à cause des murmures et des insultes qu'on a prononcées contre Moïse, tu as brûlé la moitié du camp. Jusqu'à ce qu'un jour tu as ouvert le sol, 3000 personnes sont mortes. Je te laisse cette affaire, je ne répondrai pas. Mais je veux que de mes oreilles que je te voie trancher cette affaire. Mon cher, 5 ans plus tard, bref. Monsieur le patron de l'entreprise, il est mort. Je suis passé à la télé, je l'ai redit, ce que je dis ici. Je prends d'ailleurs certaines personnes à témoin, y compris les pasteurs de la foi, que je salue, qui connaissent ces témoignages. J'ai dit, vous verrez, vous allez disparaître comme la fumée de la cigarette. Monsieur est mort dans sa maison, pourri. On est venu trouver le corps après. La chaîne a été non seulement fermée, mais disparue. La fille qu'on avait utilisée comme journaliste, elle était tombée le même jour en sortant dehors. Elle a piqué une crise. Depuis lors, elle est devenue maladive. Aujourd'hui, je te parle, elle a perdu son mariage. Elle a perdu son mari. Elle est décédée. Elle m'a appelé avant de mourir pour demander pardon. Le frère, gros, jusqu'au jour d'aujourd'hui dans le monde du journalisme, je ne le retrouve pas. Frère, il y a des gens qui sont morts à mes combattants. Est-ce que je vais vouloir que je continue à dire les paroles de malédiction pour que les gens meurent? Que l'Éternel le pardonne. Passons à l'essentiel. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que ça, c'était juste une parenthèse que nous avons avec tout à l'heure d'ailleurs. Donc, on ne va plus traîner. Oui, on ne reviendra plus là. On ne reviendra plus. Donc, ça, c'est vraiment passé. Alors, homme de Dieu, nous allons reprendre aujourd'hui. Je crois qu'il y a des points très sensibles. Très bien. L'autre fois, nous avons évoqué en ce qui concerne le signe symbole. Effectivement. Et vous avez touché quand même sur ce pyramide où il y a l'œil. Alors, je crois qu'on va continuer à partir de là. Je te remercie, mon frère, en te disant que nous ne vivons pas dans un monde où il y a des signes, mais ce sont les signes qui vivent parmi nous. Nous avons dit dernièrement que tout ce monde qui veut que Joe Biden passe, c'est une oligarchie. C'est un groupe d'hommes qui veulent nous arracher notre liberté. Le 1er mai, date très importante dans les calendriers sataniques, 1776, certains diront c'est la date de l'indépendance des États-Unis. Ça, c'est ce qu'ils ont entendu. Parce qu'on dit toujours, c'est ce que tu as entendu. Mais toi-même, as-tu fait des recherches pour savoir si ce qu'on t'a dit était la vérité? Il y a un prêtre jésuite répondant au nom de Adam Weishaupt, prêtre jésuite, va fonder une société secrète qu'il va donner le nom de la franc-maçonnerie. Il va énumérer le nombre des étapes jusqu'au 33e degré. Quel est l'objectif de la franc-maçonnerie? Les Illuminati, comme on les appellera. Illuminati vient de la confrérie des Illuminés. Illuminé est tiré du nom commun Lucifer, ange des lumières. Quand tu vois quelqu'un parler de lumière, lumière, donateur de lumière, il est opérateur de Lucifer. Maintenant, Alain, je voudrais quand même dire deux mots, trois mots.
Vous verrez ces gens. Ils veulent à tout prix donner le vaccin. Ils changent le nom. Puis RFID et Simité. Maintenant, là, Pfizer, avec 90% de certitude qu'ils ont pour ma corona. Mais pourquoi Bill Gates, avec sa fondation Gavi, insiste toujours pour que, en fin de compte, sur les 8 ou les 9 milliards des habitants dans le monde, que plus ou moins 7 milliards de personnes soient vaccinées? C'est tout simplement pour la raison suivante. Ils veulent avoir le contrôle des ressources minières du monde, le contrôle numérique du monde, réduire la population mondiale. En bon français, on dira la dépopulation. Jusqu'à ce qu'on atteigne 3 milliards, afin qu'ils puissent créer leur nouvel ordre mondial, ce qu'on appelle un seul gouvernement mondial. Ça veut dire tout simplement, avec l'usage des vaccins, on sait introduire le puce à l'intérieur des sangs ou au niveau des os des hommes parce que ça va circuler dans les corps. Je te promets que la prochaine fois, nous parlerons intégralement du puce. Mais ces gens-là ont commencé à exister parmi nous depuis longtemps. Ils nous ont infiltrés depuis longtemps. Donald Trump représente l'opposition de l'entrée en vigueur de l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 1 à la fin. Il y a un temps où personne ne pouvait ni acheter, ni vendre, ni boire s'il n'a pas la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13. Joe Biden, 33e degré franc-maçon, avec cette oligarchie de Bill Gates, soutenue par le pape du Vatican, que les musulmans appellent Baba. Si vous entendez un musulman dire Baba, il parle du Vatican, du pape. Voici le signe qu'ils utilisent régulièrement. Très connu dans la franc-maçonnerie. Triangle renversé. Chaque fois que tu verras ce triangle, sache qu'il y a un message codé derrière. Il y a une idéologie qu'on véhicule vers le lieu qu'il y a ce triangle-là. Ça veut dire quoi? Premièrement, le triangle est le premier unité de langage de l'occultisme. Tout pasteur qui porte des habits avec des triangles, tout homme qui porte une chaînette avec un triangle sous la forme pyramidale, tout vêtement, Yamutualati a terminé de bosser un sacerdoce, surtout pour des réunions de sacerdoce, il porte un habit qui porte des triangles, sachant qu'il y a un message important qu'il a dedans. Tout logo dans une église, vous voyez le triangle, le pasteur appartient à la loge. Pourquoi? Pour que les gens entrent dans le doute. Ce qu'il dit, c'est faux. En fait, c'est une technique. Mais malheureusement, les gens ont compris. Le triangle est très important comme symbole dans la franc-maçonnerie. Surtout dans ces sectes qu'on appelle le membre de l'étoile de l'Est. Il y a des pasteurs congolais qui sont entrés dans cette affaire, en Israël. Vous croyez qu'il est parti en Israël de la journée? Est-ce que tu savais en Inde qu'il existe deux types de Jérusalem? Il y a le Jérusalem de la journée et aussi le Jérusalem de la nuit. Et souvent quand ils vont là-bas, c'est Jérusalem de la nuit, pour pactiser avec la Kabbalah. Or la Kabbalah descend du judaïsme. Il est impossible qu'un judaïste manque de symboles. Impossible, il a toujours des symboles. Donc, par ici, qu'est-ce que j'annonce? Lorsque vous voyez dans une église, ou dans le vêtement d'un pasteur, ou dans le logo d'une église, le triangle inversé, c'est la franc-maçonnerie de la Rose-Croix. C'est une branche qui est sortie de la Rose-Croix, mais qui est aussi, qui appartient au secte de membres de l'étoile de l'Est. Or, l'étoile, c'est la composition de deux triangles équilatérales, pour ceux qui ont étudié. Donnez-moi cette étoile. Premier triangle au-dessus, c'est la franc-maçonnerie, non pas de la Rose-Croix, mais des Illuminati. Avec le mouvement ascendant, ils utilisent les éléments du ciel
les éléments naturels, mais de cieux, selon que le pointu est vers le haut. Mais tu as surtout dévoilé. Balinga la boité. Qu'est-ce que exposer à la lumière de la journée les secrets de la franc-maçonnerie. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, tu es un homme mort. C'est-à-dire, quand tu vois la pyramide au sens ascendant, là, c'est toujours le franc-maçon. Mais dans une autre branche, car le royaume du diable est divisé. Là, c'est la franc-maçonnerie des Illuminati qui utilisent les éléments du ciel. Les étoiles, le ciel, les astres lumineux, tout ça, tout ça. Mais quand c'est descendant, comme on peut nous les illustrer s'il y a possibilité, ça, c'est la rose croix qui utilise les éléments de la terre. Ok. Donc, éléments terre. Donc, Maï, Banyama, Samabélé, ce sont des éléments qu'ils utilisent. Malheureusement, ils disent une chose là où ils sont. Mais comment ces garçons nous pénètrent aussi facilement? Effectivement. Comment ces garçons connaissent toutes ces choses? Comment ces garçons disent des choses exactement comme nous avons l'habitude de le faire? Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que Jean chapitre 16, le verset 14, nous signale un message très important. Quand viendra le consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Sois disposé à écouter le Saint-Esprit dans la prière. Il te révélera les choses qui sont dans Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. J'ai fini avec l'étoile. Maintenant, je vais te montrer un élément. Cet élément, c'est ça. Je commence toujours par toi. Pyramide renversée. Avec un cœur à l'intérieur. Frère, vous pouvez prendre. Si tu vois un homme porter boucle d'oreille, qu'il soit en Europe ou au Congo, à droite, c'est un message symbolique, c'est exotérique, c'est subliminal. Seul peut comprendre les initiés dans son domaine. Mais les autres trouvent cela comme un élément d'esthétique. Mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Voilà. Le boucle d'oreille à droite symbolise le pédérasme. Ok. Mais pour le mâle dominant, c'est-à-dire, il est pédé. Il est plus homme. Mais il est côté homme, celui qui prend les autres hommes. Ok. S'il porte du côté gauche, accompagné avec une chaînette à la jambe, c'est ésotérique, c'est codé, mais voici le message. Parce que notre rôle, c'est de décoder. C'est ce qui fait la colère de tous ces gens. Ils sont prêts à venir à l'indélé. Nous te proposons 10 000 dollars. Fingaka kabaka. Fingabaka ko. Maintenant, quand tu vois boucle d'oreille là, avec une chaînette à gauche, tout comme boucle d'oreille à droite, mais avec une chaînette à gauche, c'est-à-dire, il est bisexuel. Ok. Ok. Voilà, maintenant, vous voyez des gens comme ça, et pour toi, ça ne dit rien. Tu vois un musicien qui porte un boucle d'oreille. Mais tu dis, mais comment les musiciens, ces musiciens peuvent le faire? Il y a même des chrétiens qui se permettent de porter ça dans l'industrie musicale du gospel. Mais moi, ça m'étonne. Romains 12, hein, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais s'il porte seulement du côté gauche, là, il est pédé, mais plus femme. Femme. Maintenant, si tu vois ces signes, prenez, vous avez pris. Ces signes ici, ça peut être un drapeau qu'on a placé dans votre pays, avec une pyramide renversée comme ça. Vous voyez un drapeau avec une pyramide. Dernièrement, on nous a joué ce coup au Congo. Non loin ici, à Kinshasa. On avait placé des drapeaux. Ça a fait la polémique au niveau de YouTube et Internet. C'était les lesbiennes et le PD qui venaient d'annoncer qu'ils ont conquis la commune de Lemba. Ah. Il y avait un drapeau qu'on avait mis. Ça crée des... On a enlevé. Voilà ce que ça signifie. Quand tu vois une pyramide ou un triangle, la tête, le pointi vers le bas, avec un cœur à l'intérieur, c'est un message symbolique qui veut dire tout simplement... C'est le symbole de gay et de l'identité de lesbianie. C'est une communauté très fière, très organisée en Europe. Tu peux dire ces choses-là ici en Afrique. Mais si tu vas dire des choses pareilles en Europe, le lendemain, tu es arrêté, tu es mis au cachot. Parce que tous les lobbies du monde, 90% des lobbies, dans le monde du mode, des styles,
de l'industrie cinématographique, de la musique. Le gay sont des personnes le plus élevées en dignité et très respectées. Est-ce qu'on peut poser un fondement? Bien sûr. Oui. Alors quelqu'un me dit, bon, ma bêza, vous allez gay, c'est son droit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Posons les fonds. Les fondements. Parce que si quelqu'un veut bouder ce que j'ai dit, donc il a boudé les écrits, les écritures. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à combien? Verset 9. Le verset 9 à 10, exactement. Lisons la parole de l'Éternel. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Peut-être pour eux, les mots n'existent pas dans la Bible. Mon frère, lis les mots. Hein. Ni les homosexuels. C'est écrit là. Mais les gens veulent dire que non, il n'y a rien dans la Bible qui condamne de manière directe l'homosexualité. Mais on doit vous parler comment? Frère, si tu me suis, tu es homosexuel, laisse. La Bible, elle est condamnée dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 à 10. Ni les homosexuels. Bon, quand on dit les homosexuels, la Bible l'illustre très bien. Tu verras que c'est bien expliqué vers la référence ici après. Laisse-moi les revoir. Romains 1, 26 à 27. Posons les fonds. Les fonds, bon. mon cher. Mon frère, cette émission, nous allons décoder les symboles. Et nous allons poser les fonds. Les fonds. C'est très scientifique. Les gens veulent découvrir des choses scientifiquement et surtout bibliquement parlant avec des preuves en appui. Quand on dit les homosexuels, il y a des catégories. Il y a le lesbien et le PD. Mais quelle est la pratique de PD? Quelle est la pratique de lesbienne? Maintenant, la Bible se complète par elle-même. C'est dans 1 Corinthiens, Romains chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Lisons. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est de l'infamie. L'homosexualité est de l'infamie. Si quelqu'un te dit aujourd'hui en Europe que c'est une bonne chose, dis-lui, j'ai suivi Alain Delé avec l'évangéliste. Il a dit, votre représentation, c'est le triangle pointé vers le bas, avec un cœur à l'intérieur. Tout polo que tu portes avec ce logo-là, tu transmets le message à ceux qui pensent que je suis lesbienne. Je suis PD. Donc ne porte plus. Mais on descend. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Donc on dit leurs femmes ont changé l'usage naturel. C'est-à-dire, on parle de l'organe de la femme. Maintenant, quand on dit que tu as changé l'organe de la femme, tu changes l'usage en contre nature. Donc, la nature de chaque chose existe, qui nous permet un peu cette extrapolation du langage. La voie anale est pour faire sortir le contenu fécal. Mais il y a la voie où l'enfant sort. Maintenant, on dit, parmi les organes là, il y a des femmes qui prennent un organe qui en fait l'usage contre la nature. Donc, c'est-à-dire, là maintenant, on dit, plutôt que d'utiliser l'organe habilité pour les relations intimes, vous prenez un autre organe, vous l'utilisez. C'est de l'infamie. C'est biblique. Alors le PD et les lesbiennes, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas moi qui vous dis ça. C'est votre créateur qui a écrit et qui dévoile les symboles que vous utilisez. Et surtout ce genre de pasteurs qui ont toujours soutenu ces gens. Il y a un pasteur ici à Limété. La fellation, c'est normal et tout ça. Il est au niveau de deuxième ou de troisième mairie. J'ai suivi, moi, on ne m'a pas dit. Il dit que la fellation, ce n'est pas un problème lorsque l'un des conjoints ne sent pas la douleur. En bon, le péché commence à dépendre maintenant de la gravité des douleurs. Voilà que je vous avais dit, ces gens-là sont des francs-maçons, vous ne m'avez pas cru. Ils défendent toujours les mêmes choses.
il a lu des Genèse à l'Apocalypse, il n'a trouvé aucun verset qui interdit ces pratiques. Je lui donne Romains chapitre 1, versets 26 à 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Les hommes ont pris les Deutéronome interdira. Tu ne prendras pas un homme comme si on prenait une femme. Tu prendras l'homme où? C'est par la voie anale. Et quand le pasteur de l'Imité se permet avec le logo de la franc-maçonnerie, même logo avec Benny Hinn, je vous le montrerai. Rappelle-moi la prochaine fois, je le ferai. Parce que vous le reconnaîtrez. Nous, ce n'est pas tout le monde qui doit prendre le temps de commencer à faire ses recherches. Non, ce n'est pas tout le monde. Papa, toi prie. Moi, j'ai reçu mandat. Personne ne va me tuer. C'est Dieu qui m'a mandaté. Et je me force de le craindre. Tant que je le craindrai avec ma volonté. La Bible dit, 18, 8 à 9, du livre de Actes des Apôtres. Va. Ne crains rien. Parle, car je suis avec toi pour te protéger et pour te garder. Et personne ne va lever sa main pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Voici le deuxième signe qui va commencer avec nous, mais qui va aller avec nous un peu plus loin. Alain Dele. Ça c'est quoi? Les. Pourquoi ce n'est pas deux? Tu vois qu'on a bouché un œil. Papa, prenez l'image. C'est le signe le plus connu de la franc-maçonnerie par tous les adeptes et par tous les ignorants. Ça s'appelle l'œil du grand architecte de l'univers. C'est comme ça qu'il appelle. En fait, cet œil rejoint la pensée des Illuminati, de Bill Gates, de Joe Biden. C'est leur désir insatiable de contrôler l'humanité. Rien ne doit échapper au contrôle de la oligarchie. Maintenant, ils utilisent cet œil pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que nous contrôlons tout avec les 5 objectifs du nouvel ordre mondial. Même cette affaire de pandémie, des épidémies, c'est contrôlé par la oligarchie. La maladie dont vous entendez parler aujourd'hui, actuellement, que tout le monde évite de citer le nom sur YouTube, de peur d'être sanctionné. Mais c'est contrôlé par eux, c'est breveté par eux. Je vais donner quelques fondements. Si tu vas aux Nations Unies, vous qui êtes aux États-Unis, vous avez la facilité d'entrer. Regarde cette coïncidence, pour que tu comprennes que cette affaire n'est pas un jeu. Vous avez vu ça? Même derrière le billet de 1 dollar, il y a un triangle là, à renverser, et puis il y a un nez à l'intérieur. Cet œil s'appelle l'œil du grand architecte. Je vais vous faire une petite lecture de l'œil du grand architecte. Je crois que le papier n'est pas tombé. Ah, bon, si c'est tombé, je vais chercher. Là où j'ai rattaché, c'est là. Premier point. Alain Dele, aux Nations du Zini, il y a une salle qu'on appelle la salle de méditation. Dans les sièges sociaux des Nations Unies, il y a une salle que les gens font la méditation. On l'appelle en anglais « The United Nations Meditation Room ». Nakati andaku wana, bagina osa la méditation wana. L'issue au moins encore, bah tiens, on lui colle au bout, il va. Pose la question. Cet œil fait quoi là? Là-bas. Deux. La pyramide égyptienne. Derrière les billets de dollars, il y a un œil à l'intérieur. Cet œil là représente quoi? Et cet œil là fait quoi là? Là-bas. Refusez tout polo. Tout vêtement, toute chemise, toute représentation qui porterait une telle signification, vous êtes en train de marcher dans la visibilité du travail du monde des ténèbres tout en étant chrétien. Au journal, il y a un journal qui a été fixé. Pyramide de la Simana, on a dit ça. Après avoir respecté la principauté, bon panzana. Bon mataka, waouh! Bazing.
Nazomala mususu e bandi sususu journal mususu. Wana ndezo azab membre ya étoile de l'Est. Nasimala bango tala kabaka ta étoile. Otuna bango étoile de Salomon. Ah papa. Les gens découvrent des choses hein, quand on parle. Au moins, même là-bas, caméraman, on dit ah, bango, on est. Si vous avez un bon moment, vous avez un bon moment. 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 Je connais les deux trois pasteurs qui font ces histoires-là. Ça va financer. Je les connais. Un jour, par mes gardes, je citerai leur nom. Mais pas aujourd'hui. Le temple de la compréhension dans la franc-maçonnerie. Il y a ce logo-là, avec un œil. La chambre de prière, dans le Capitole des États-Unis d'Amérique, il y a une chambre où le président va en prière. Cette chambre-là s'appelle la chambre de prière au Capitole. Vous connaissez le Capitole, non ? Ils ont les États-Unis, ils ont l'obélisque. L'obélisque, ils ont la forme de la pyramide, tu dis que l'autre. Si vous regardez l'obélisque, ils peuvent vous illustrer ça. Ça a la forme du triangle. C'est significatif. Vous regardez maintenant dans la chambre de prière, aux États-Unis d'Amérique, au Capitole. Il y a encore l'œil de All Sing Eyes. Mais pourquoi cette répétition, mon cher ? Et regardez bien, dans les grands shows des États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle en anglais de All Seeing Eyes. Chaque fois que tu verras cet œil-là, sache que si c'est une église, tu as affaire à la franc-maçonnerie. Ça s'appelle le troisième œil. L'œil de la connaissance interdite. Maintenant, je n'ai pas fini. De manière amusante, vous allez voir que le logo de la fondation des sociétés naturellement occultiques représente toujours cet œil-là. Ça va t'étonner. Je vais citer le nom de quelques personnes. Premièrement, le professeur Boff King Henry VI. La reine d'Angleterre. La première, Queen of England. Elle a vécu de 1558 à 1603. Ils ont utilisé le même œil-là dans leur badge. Tu regardes leur badge, tu le verras. Elle n'est pas ici. Ah, la voilà. Il y a eu. Moni, n'a qu'à t'allus les alliés. Prends. Parce que nous aimons prendre les scientifiques, les dévoiler à la lumière de la parole de l'Éternel pour faire éclater la vérité. Bangoba, atakarabaka, baka, t'y thématique. Comment veux-tu, excusez-moi, tous ces gens que nous citons, la reine Elisabeth, ce n'est pas fini, il n'y a pas que elle. Nous avons encore l'alchimiste, les sisters. Il était alchimiste, astrologue, psychologue. Tous ces gens utilisent ce qu'est. Maintenant, regarde les différents logos qu'on utilise. Même dans les équipes de football international. Les équipes de football, que nous adulons, Nana Moutatel, Nana Moutatel. Est-ce que tu t'es posé la question? La plus grande religion mondiale, si le diable voulait captiver l'humanité, il utilisera quelle méthode? C'est la méthode qu'il trouve que les gens adhèrent le plus. Par ignorance, il capture les gens là-bas. Comment pouvez-vous vouloir que dans le monde entier, tu aies à Paris foot? Moussouba Nanda Kouboliati. Paris foot. Paris foot. Bon, voilà l'inzala, papa Betty Paris Foot. Papa, soit pas signé en Yango. Soit moni oyote, prenez. Bon, mon ango est belé. Maintenant, vous allez remarquer, tous ces gens qui partent à l'extérieur quand ils reviennent, soit ils reviennent avec beaucoup de cheveux dans la tête, ce qui est le symbole d'une personne qui vient de monter monter de niveau. De niveau, ok. Il doit garder ses cheveux-là. Jusqu'à ce qu'il va changer de nouveau après Akatisouk. Les musiciens chrétiens l'ont fait. Même un pasteur congolais limité, il a fait. Vous croyez que c'est par hasard quelqu'un s'élève? Même un frère là. Il est dans les histoires de... Il y a un montage à ma clip.
3 points. Atika Sukebela, Mouta comprenate. Pourquoi est-ce que c'est à Pamba? Tout ce que j'ai dit ici, pourquoi? On est sur commandé. Les gens vont leur dire, ah, bah, l'obéir comme naïo. Attends, 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 comme on a dit, bon, mais ça n'a pas eu. Yo, l'obéir, bon, mais ça n'a pas eu. Toi, n'a pas passé dans la France, ma finance à la batte, ma fin à la bac. Tellement lui, il a dit aux gens, vous savez, mes frères, toi, tu as ma blague. Moi, je disais, n'aïe. Abine de Koto, ça va blague, mais. Bac à intelligent. Là, c'est qui? C'est le frère. Moi, je suis un tata pasteur à Kala. Je suis un tata pasteur. Nouvelle génération, 7000 sont derrière moi. Ils n'ont pas encore fléchi devant Baal. Bazoya, en France, en États-Unis, en Asie, en Afrique, même en RDC. Prêt, ils vont sortir. Papa, ça va signer. Une nouvelle génération. Oh, vous voyez bien, très bien. Pour moi, on en a trop. Zouako? Au moins, dans l'église, Bima. Pasteur, là, tu as na toge. La problématique des toges. Ah, c'est le troisième élément que je te demande de me demander. Hein? Pourquoi le pasteur porte les toges et quelle est la signification de chaque croix dans les toges? On va le faire. Et comme il trouve, hein? La cinquième loi, ça te beau. Voilà. Maintenant, lorsque vous voyez toutes ces choses, à quoi ça rime? Ces histoires appartiennent non seulement au monde magique, mais répond à la catégorie des gens qu'on appelle les globalistes. On les appelle aussi les mondialistes, parmi lesquels Joe Biden. Parmi lesquels Bill Gates, président de Microsoft, PDG. Parmi lesquels le Rothschild. Parmi lesquels le Bilderberg. Parmi lesquels la famille Clinton. Parmi lesquels Obama. Parmi lesquels ils sont nombreux, parmi lesquels Macron. Quelqu'un m'a dit, yo, Baka, avec le nom de Macron, là, c'est, là au moins, la France enseigne. Je viendrai en France quand je serai peut-être avec un président. Ou soit moi-même président, je viendrai en France pour prêcher la bonne nouvelle. Je leur dirai, monsieur le président, repentez-vous, croyez la bonne nouvelle. Tout ce monde-là, ce sont des globalistes. Ce sont eux qui sont en train de combattre. Vous imaginez, moi, je pense d'ailleurs, cette justice qui semble dire aujourd'hui qu'ils vont réhabiliter Donald Trump parce qu'il aurait gagné dans les élections. Mais c'est cette justice qui a maltraité Donald Trump jusqu'au point de dire que les élections de Donald Trump, il y a eu Poutine qui s'est infiltré pour donner la victoire à Donald Trump. Chose que Donald Trump a refusé avec tout son cœur. Il est allé jusqu'à s'allier à Poutine. Ça lui a coûté la diminution de la considération des Américains. Poutine a dit, je ne suis impliqué ni de près, ni de loin dans les élections américaines. On passe la parole sur le champ à Trump. Trump dit, Poutine vient de le dire, il n'est pas impliqué. Il est difficile pour moi d'imputer quelque chose alors que les sociétés de sécurité américaines ont dit, Trump a accepté de dire la vérité, même contre les citoyens de son pays. Mais c'est quel risque cet homme a pris? Le monsieur Trump a retiré le financement des États-Unis sur l'Organisation mondiale de la santé parce que c'est le plus grand partenaire. Il pensait compter sur l'Amérique pour véhiculer le vaccin dans le monde. Et d'ailleurs, on m'apprend au Congo, un pays qui n'a pas été très touché par cette maladie, qu'on évite de citer le nom de père de sanctionner la vidéo, ces gens-là ont envoyé des financements ici pour vacciner le peuple congolais. Un pays qui était moins touché. Moins touché. Et ce sont des lobbies qui financent de l'argent. Et pour ça, il faut toucher la justice. Il faut toucher les politiciens. Regardez Baka, il s'oppose à nous. Il faut l'arrêter. Vous n'allez m'arrêter que lorsque les... Attendez le jour où Dieu va vous autoriser. Pour l'instant, il a refusé. Je ne sais pas si on a débordé pour que je continue. Combien de minutes? Voilà. On n'a pas débordé, je crois que... Nous avons encore du temps. On a encore quelques minutes. Ah, j'ai béni le nom de l'Éternel. Maintenant, je vais évoquer un élément très important. Les amis qui sont à la maison disent toujours, mais frère Roger, yo mon aura Satan partout. On a Satan qui a fait ça autour. Satan qui a fait ça. Bon, mais mon frère, il m'a encore. C'est quoi un abetelo li solo? Maintenant, toi, tu diras, t'es Ezabongo, t'es Ezabongo, t'es Ezabongo. Parce que toi, tu dis ce que tu entends, entendu. Mais moi, j'ai dit ce que moi, j'ai découvert. C'est bon? C'est bon. On peut continuer. On continue. Ok. Le monsieur dont tu as cité le nom, c'est Nasukebe Nalimete.
Le fameux pasteur qui a soutenu les gays. Comment vous avez appelé ça en français? La fellation. La fellation. Est-ce qu'un pasteur digne de ce nom, de Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Mais il a dit d'après lui. Est-ce que la Bible commence à être écrite d'après lui ou d'après... Ah non, les comédiens sont devenus... Et tu le verras écrit. Il voulait donner une autre couleur. Maintenant, ces gens-là, Ézéchiel 34, le verset 8 à 9, les appelle le prédicateur bête des champs. Regardez nos méchants, les animaux bêtes des champs. Ils se sont infiltrés parmi nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. On commence à les découvrir par leurs enseignements. Qu'est-ce que Baka a fait de mauvais? Pour avoir ouvert les yeux des gens, je suis devenu votre ennemi pour financer toutes les émissions sur YouTube. Maintenant, est-ce que vous pouvez me trouver le logo de Benny In? Ces enseignements qu'il fait de 3 à 3 comme de chiffre 3. Prenez-moi le logo des conventions de ce pasteur délimité qui a soutenu les gays pour que je vous dise que ce n'est pas une coïncidence. Il appartient aux loges du monde des ténèbres. Il parle de Dieu sans être avec Dieu. Il y a des gens qui l'ont fait dans la Bible. Là, c'est le commerce alors. Mais la commercialisation et la théâtralisation de l'œuvre de Dieu. C'est le seul commerce où il n'y a pas de capital. Vous utilisez seulement le nom de Jésus. Mais comment est-ce qu'on les reconnaît? Ces gens-là, ils ne parlent jamais de la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils parlent de Jésus, non. Il est là. Le mariage des hommes qu'il ne faut pas épouser. Les femmes à ne pas épouser. Les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Non, ça c'est la morale, mon frère. Arrête de nous distraire avec les réalités. Ça c'est une motivation. En fait. Prêche-nous la vérité. Tu tournes autour des réalités. Les réalités, les hommes les vivent différemment. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Tu ne parles pas de Jésus, frère. Mais non, il dit quand même que lui, il parle plus de la repentance et tout ça. Papa, la constitution congolaise, même le code de la famille, arrête tout homme marié qui court derrière une autre femme. C'est sanctionné par le code de la famille congolaise. Bon, si la loi congolaise ou l'État congolais interdit ça, l'État congolais est devenu pasteur. Alors, maintenant, parce que lui, il a parlé de la repentance et qu'il est devenu pasteur. La repentance ne se prêche pas. C'est un style de vie. Toi, tu demandes aux gens de se repentir. Toi, tu t'es repenti des messages de gay, de la fellation, depuis que tu l'as dit à la télévision. Tu ne l'as jamais retiré, l'orgueil. Tu ne veux pas montrer que tu as dit des bêtises. Mais les gens vont se repentir. Toi, tu t'es repenti. Pasteur, tu me suis alimenté. Est-ce que tu t'es repenti? Oui, on va te raconter la vidéo. Vous avez l'habitude de prendre des vidéos et d'envoyer. Envoyez comme vous voulez. Mais ce message a créé quand même une confusion. Mais ça a créé une confusion. C'est... Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, les gens... Mais je viens de poser le fondement. Je vis même des gens qui ont dit effectivement... Je t'ai dit que c'est faux, le pasteur a tort. Si les gens n'ont pas des références bibliques, moi, j'aime bien poser les fondements. Donc, il ne pourrait pas émettre un point de vue. Il n'a pas de point de vue à émettre là-dessus. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, 8 au verset 10. C'est clair. Les homosexuels n'entreront pas dans le royaume des cieux. Complété par Romains chapitre 1, le verset 26 au verset 29. Tu l'as lu. Tu vas contredire Dieu. Zoa. J'ai toujours primauté. Notamment dans les anandeles. Comment les locaux? Les locaux, papa. Parce que c'est ça. Ce bolongo le longi naï. Bolouki n'a pas vidéo naï. Beaucoup de locaux. Écriture. Et ça, la église est belle. On a passé à ce qu'on s'est dit, c'est de l'hébreu. C'est pas de l'hébreu. Ah bon? Et le pasteur insiste qu'il doit trouver des écritures arabes. Pas plus loin qu'ici, à Kitambo. Entre Kitambo et Saint-Luc. Une église est au milieu là-bas. On dessine quelque chose là, mais on insiste sur l'écriture arabe. Oh. Mais nous sommes dans un pays où on parle lingala et français. Pourquoi toi, tu veux toujours écrire? L'arabe fait quoi là? Ça, c'est grave. Ça s'appelle le pourquoi du dernier pour. Pourquoi? C'est un équiste. Et puis, on les force. Mets les logos. Ah, ok. Tu dois mettre pour nous montrer que tu es des nôtres. Mais on les impose, ça. Mais c'est une imposition. Okay. Même dans des clips, les musiciens chrétiens. Le tout dernier, le plus grand scandale des trois mousquetaires. Il a publié un clip où visuellement il a utilisé la technique subliminale de Maître Gims.
je rentre ici. Cette histoire s'appelle, généralement on l'appelle l'œil de Dieu. Mais le dieu Osiris, pas notre dieu, parce que la plus grande magie existe en Égypte. L'autre, c'est très utilisé, comme on appelle, c'est très utilisé par les gens qui vous touchent la magie de l'Asie. Ça s'appelle le mantra. C'est pour la méditation. Très souvent utilisé chez les hindous. Ça s'appelle la trinité de Bama. Ce qu'on a fait, on a passé moi limité à Salamakambo, au camp de Matié. Parce que c'est pour opérer des miracles. Hein. Okay. Vous amenez des logos pareils, vous amenez l'esprit. Plus vous l'utilisez à l'église, plus il performe le miracle à votre place et vous gagnez de la popularité, vous vendez votre image et non l'image de Jésus. C'est pourquoi tu vois ces pasteurs-là, ils font leur propre présentation plutôt que la présentation de Jésus. Ils insistent sur leur personne. Ils incarnent Dieu parmi les hommes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne pressent pas Jésus, mais ils se vendent eux-mêmes. Papa Yagoswao. Ces symboles sont utilisés dans une église. Si je cite les noms, les robots ont un problème. Le dieu impersonnel des hindous. Comme on est en haut. Hein? Le dieu impersonnel des hindous. Kotan a tétan a ganamoutou. Binobe bota la kaka. Yangoyo, Moussou Siangoyo, Moussou Yangoyo, Moussou Yangoyo. Brahma. Mais triangle, équilatéral, mélangé, nous renvoie dans quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, le membre de l'étoile de l'Est. Sortez le mot de ma boga boue. Est, le boga boue, c'est quoi? En Amérique. L'origine, il y a l'église où il y a Benaka. Ils drainent des foules, ces gens-là, mais c'est de l'occultisme. Panabango, porte-église, pyramide. Et l'Okonyonso, pyramide. Faut pyramide Zala, le logo de la franc-maçonnerie de notre fondateur. Mais papa, si vous trouvez que ça pose problème, il y a même des gens qui utilisent des colonels, des officiers supérieurs, Bossalaba Kamabe, les affaires de la religion. Réglons ça de manière religieuse. Yo pété le masala mission de défendre. Et comme il y a refoutu un bon, on va finir là. Et comme yo, non, il avait dit quelque chose à la télévision, nous allons le poursuivre. Nous allons l'empoisonner. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Vraiment. Tu l'as dit combien? 3 ou 4? 3, 4e déjà. Alors maintenant, je pense qu'on a fini. Je voudrais quand même demander à tous ceux qui me suivent. Vous entendrez encore des épisodes. Je vous ai déjà dit. Malheureusement, quand il passe 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous oubliez tout ce que je vous ai dit. Allez dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. On a fait arrêter Paul. On l'a fait chicoter pour l'empêcher seulement d'annoncer le message qu'il était en train d'annoncer. Jusqu'à mentir devant la cour. Ces gens prêchent des choses qui ne nous sont pas permis ni d'écouter ni d'entendre. On a arrêté Paul. On a arrêté Silas. On a commencé à les tabasser. On les a chicotés. Pour eux, on doit me tabasser. On doit salir ma réputation. On doit m'insulter parce que je dis des choses que les autres pasteurs ne veulent pas qu'on dise. Nous n'allons pas arrêter. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, celui qui a rendu populaire l'œuvre que nous sommes en train de faire, il s'occupera de ceux qui travaillent pour livrer. Quant à vous, je demande pardon pour ceux qui étaient offensés, pour tout ce qu'on raconte. Mais comprenez que j'ai montré les images, c'est périodique. Quand ça passe 3 mois, 4 mois, il faut m'appeler ça Moutoumoumoubima. L'objectif, c'est de créer des divisions parmi ceux qui croient au message. Que Dieu vous bénisse pour nous avoir amenés aujourd'hui dans une autre dimension. Et on parlera la prochaine fois. Seulement, je voudrais prier. Amen. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Le travail que tu m'as donné n'est pas facile car tu as dit à Jérémie, à 18 ans, que personne ne méprise ta jeunesse. Va, parle à ces sacrificateurs, parle au souverain, parle au roi, parle au gouverneur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. À Ézéchiel, tu as dit, va,
parle. Ézéchiel a fait cette prière. Il a dit, aide Adonai. Endurcis mon front pour que moi aussi, je puisse résister à leur front. Je te dis merci pour le témoignage de ton serviteur. Alain Delé qui me dit, il m'a trouvé fort. Donne-moi la capacité de résister à leur front. Et donne la capacité à ton peuple de résister aussi à cette question. Selon Ésaïe 54, le verset 14. Tu seras affermi par la justice divine. Bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme contre toi des complots, cela ne viendra pas de moi. Tout celui qui se lèvera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Que ta parole s'accomplisse. Moi, je serai témoin. Et le peuple diront certainement, cet homme est avec Dieu. Pardonne les ignorants qui se laissent emporter par des financements d'argent. Pardonne les frères et les sœurs qui sont tombés dans des sollicitations et n'ayant pas compris le piège. Fais-nous parvenir à la connaissance de la vérité. Ensemble, nous avons ainsi prié en te demandant de prendre soin de tous ceux qui sont malades en les guérissant, en protégeant les familles qui sont en Europe, victimes, Père éternel, Dieu, de menaces de vaccins, victimes de traitements dégradants contre les Noirs, victimes de la dépopulation. Protège ma nation qui déjà, je sens, Père éternel, un événement venir. Couvre cette population par ta grâce. Protège le sang des Congolais. Au nom de Jésus, montre ta gloire parmi les autorités politiques. Afin qu'ils le sachent que cette nation est une nation prophétique. Bénis 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Fais sortir beaucoup de gens qui parleront mieux que moi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le Saint dit trois fois Amen. 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 Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous qui avez besoin de contacter l'homme de Dieu, n'hésitez surtout pas. Plus 243. 90 79 66 65 785. C'est un numéro qui est aussi sur WhatsApp. Oui. Mais j'interdis quiconque de m'envoyer des vidéos où on m'a injurié. Ok. Ah ouais, ne m'envoyez pas. Si tu m'envoies, je te bloque. Parce que tu veux parler des choses qui n'édifient pas. Regardez ce livre, c'est combien de pages? Combien de pages? 539. Je dois lire tout ça, j'ai 539 pages. Combien de pages? 179. Bon. Il y a qu'à Fumbandé en gros. 66 livres, mon cher. Tu as encore une distraction. Mais tu as encore une distraction. Merci beaucoup. Ne m'appelez pas pour ça. Il y a une maman au Canada. Elle a évité que je cite son nom. Il y a une maman à Londres. Il y a un papa aux États-Unis. Il y a aussi une sœur qui est en Belgique. Il y a encore un autre frère. Et les émissions qu'on a faites étaient tellement importantes. Le frère m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Tu as une famille qui est en Belgique. Financement mon copo, osom baba livre moussousou, osom baba bible asika. D'ailleurs, tu as vu, hein, le frère revenait avec l'argent. Oui. Je vous remercie. Sachez que c'est œuvre, je ne saurais pas le faire seul. Tout ce qu'ils font là, bah, tout babaye, bah, soutenir bah, kate na ba caméra, bah, soutenir bah, kate na ba télévision naye, bah, permettre que moussala ne kende liboso. Mais malheureusement, ça ne fait qu'augmenter l'attention des gens et l'amour des gens de soutenir ce travail. Yo va sur les solas souka. Moi, alors, il y a Konda. Ben, on va passer par ce minéne. Yo, yo, Konda. Ah, maman, moi, Yoki. C'est vérité. Maman, Abi. Bah, finalement, bon, indé. Yo, on s'embrasse chaque jour. Lundi, prière, télévision, vidéo, mercredi. Maman, t'es à nous, on se sent que Muzindo na Muzindo. Ils vont oser t'insulter. Baka, Atindi. Ah, papa. Nazolia. Yo, mon indé, n'aime. Non, ça va. Au côté, les boumous. Bon, maman, mon ma koubariki, na chulu ba toi ça qui dit là. Kolembate. Et puis, na toi, na compagnie, moi, yabise, ça, Nazareta. Tu comme la fin de l'année, si vous avez du mal à sortir, hein, dans vos maisons, si vous avez du mal à aller dans du western, Nazareta est une société qui vous permet, si. Il arrivait que nous avons été en route dans le Western, nous n'avons pas vérifié le combo dans le donc, appelle la compagnie Nazareta que je mets là. Ils peuvent prendre même 5 cartons de poissons, même 2 cartons de riz, même sachets de sucre. Ils ont tout. Ils vont t'approvisionner. Toi, appelle-les seulement envoyer l'argent là-bas en Europe.
ils vont donner la nourriture à ta famille ici à Kinshasa. C'est... Envoyez-moi Alain Ndele. Oui. Tolia, mon cher. Mon fils n'a pas besoin quand même, Tolia. Tout qui est Nazareta, tout qui est Nazareta. Tout qui est Nazareta. Donc, merci pour ceux qui nous ont suivis pour la société Maman Mouseka, pour la vente des terrains. Je répète, c'est une société sérieuse, vraiment une compagnie sérieuse. Les terres sont là. Moi, j'ai eu 22 mètres sur 22. Oui. Ok. Je demande aux autres de le faire. Mais je m'excuse. La personne qui était responsable avait effectué un petit voyage vers l'Afrique du Sud pour prendre quelques partenaires qui veulent acheter la moitié de tout cela. En Afrique du Sud, Basombi. Okay. Bon, donc, c'est pour dire que partout, et tout ça, la banque tout soit, selon les conditions qu'on a mises. Mais ils ont constaté que les appels ne répondaient pas. Ne vous dérangez pas, ça va passer. Quant au bien-aimé, le reste, qui se laisse emporter dans Babylone, il faut pas rappeler. Il faut rappeler. Pesa qui, c'est un Naziréen. Balier, tant que mon chien est en train de se faire, il faut que je pèse. Cette même chaîne-là de Nazaréens qui a dit que j'étais sorcier sataniste. Si je prends mon portable et je clique, Roger Baka de Nazaréens, ma tête est en train de se faire, il y a un bon. Comment ? Chaîne mon lobby qui est en train de se faire, mais chaîne de prédication est compliqué. EHP. C'est EHP aujourd'hui qui nous insulte avec le frère Eki. On a beaucoup travaillé. Eki a trouvé cette chaîne-là à plus de 600 abonnés. Aujourd'hui, c'est plus de 30 000. Mais ils ont mis la publicité à la télévision que Eki est un voleur. Parce que Eki a tout simplement refusé de faire les émissions pour injurier des gens qui n'ont rien fait. Et même il y a problème. Les pauvres, il sera béni parce qu'il a choisi la bonne voie. Mais les plus faibles, ils sont tombés. Mais regarde à EHP, écrit Roger Baka dans EHP. Au moins, la matière n'a pas. Et ça, la n'a pas. Comment vous avez fait le lot? Je ne sais pas si vous avez fait le. Donc, il y a autre chose. Oubliez tout ça. Ce sont des comédies parce qu'il n'y a pas de production. Parce que ces derniers temps, les consommateurs de YouTube et des internets vont devenir très exigeants. Ils vous demandent de leur donner des productions qui ont des contenus. Maintenant, toutes les chaînes qui n'ont pas de contenu vont disparaître progressivement sur YouTube. À la fin, retiens que ce n'est pas Bac. Le tas de droits promulgués dans ces pays, qui est mon quoi la pilier à marche, il y a le président actuel. Maintenant, le problème, c'est quoi? Bientôt, là, les chaînes de télévision numériques et analogiques qui n'ont pas de documents, il y a au moins 12 documents, s'il n'y en a pas, on va fermer votre chaîne d'ici le 30 ou le mois prochain. Maintenant, ceux qui sont là, si on ferme leur chaîne, l'homme n'a TV, bien TV, baka kangi chaîne n'abiso, baka zana n'y pas chaîne n'abiso. Kenena, c'est ça qui nous a mis kanda. Kenena, haute autorité des médias, kenena, c'est la mi kanda. Malheureusement, sur les 185 chaînes que vous connaissez ici, moi je me suis bâti quand j'ai. Tellement je pèse la restauration des valeurs spirituelles, j'ai constitué mon document minutieusement parce que na boi moutoumo, ça la kakuna kani la ranga, ayo katanga chaîne pam. Ça, c'est la télévision numérique. Sur YouTube, il y aura opération d'identification des responsables des médias en ligne. Si on découvre que tu n'as pas ce qu'on appelle la déontologie na kata musala wana, autrement dit, fingara no kabatu. Cela va bili mambalokuta. Cela va diffamation. Ba atteinte na ba dignité abatu. Le baka makambozo lo bana. Ba okanga yango ata patron na bango sala poto. On va commencer par arrêter ceux qui ont porté atteinte à la dignité des autorités politiques. Il y a un élément qui finit par nous mettre en dignité. Pas nous coller au kango et banité. Si quoi bateau au salaire bamakambo, jour bako kanga yo, on va gaza bak. Puisque enquête y a un bandi. C'est pourquoi moi je bénis l'Éternel. Toi tu mises, je le dis pas pour te flatter. Ceux qui suivent à la télé le savent que de 2, 3, 4, 5 journalistes qui nous interrogent à la télévision, tu es parmi ceux qui sont intelligents, qui posent des questions intelligibles, qui non seulement t'écoutent, mais qui ont une certaine connaissance des choses que tu dis et permettent aux autres de comprendre facilement la matière. Merci. Quand cette valeur mathématique intrinsèque existe, ça fait la différence et c'est ce qui crée la jalousie. Et le problème avec Baka, c'est ça. Un peu d'intelligence divine, un peu d'intelligence scientifique, les autres sont mécontents. Alinga Kolakisani. Mon frère.
Merci beaucoup, l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Suivez-nous sur Nouvelle Tendance Télévision et Évangéliste Roger Baka Télévision. Alors n'hésitez surtout pas, allez vous abonner sur le déchaîne. Et là, vous aurez au moins la continuité, parce que nous vous promettons déjà le second numéro, très très prochainement. Consommez ceci sans modération. Alors partagez, faites de partage et faites des commentaires. Surtout, continuez aussi à faire de likes et cela nous fera énormément plaisir. Pour aujourd'hui, nous mettons un point final ici. Merci à Yoshi, merci à Gédéon. Alors continuez toujours à nous faire confiance. Mesdames et messieurs, en tout cas, que le bon Dieu continue à nous garder et nous allons nous retrouver très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Bye.